adressé ses vives félicitations aux membres du gouvernement, en leur qualité selon le cas, nouvellement octroyés ou renouvelés à la même fonction ou à la tête d'un nouveau portefeuille. Il a également félicité et remercié tout autant les membres sortants pour l'engagement affiché tout au long de l'exercice de leurs fonctions et leur a demandé, au vu de leur expertise et des expériences qu'ils ont pu accumuler, de rester disponibles pour la nation. Rappelant qu'au vu du contexte qui est le nôtre, le président de la République a estimé que se voir porter à cette noble fonction ne devrait pas constituer qu'un privilège, mais demeurer avant toute chose une lourde responsabilité qu'il revient d'assumer dès lors que chaque membre du gouvernement doit se considérer au service de l'intérêt général et non le contraire. Pris comme un sacerdoce, ceci appelle à l'adoption d'une attitude, d'une perception et d'un mode d'action tout particulier. Parlant de ces remaniements, qui arrivent dans un contexte dominé par des fortes attentes exprimées par nos concitoyens, essentiellement sur les questions sécuritaires et socio-économiques, le président de la République a chargé les gouvernements à œuvrer de concert pour rendre la stabilité du cadre macroéconomique plus solide, visant prioritairement la préservation du pouvoir d'achat par la valorisation du franc congolais, notre monnaie nationale. À ces sujets, il a rappelé quelques instruments essentiels qui constituent la bréviaire et sur lesquels s'effondre l'action gouvernementale. Il s'agit notamment du programme d'action du gouvernement qui doit être intériorisé par chacun comme une boussole et qui définit les assignations attendues des ministres. Il est question de s'assurer la continuité de l'exécution par une meilleure priorisation des actions à impact réel et visible au regard des attentes nombreuses de la population. Étant donné que la qualité de membre du gouvernement confère aux ministres les statuts d'agents publics de l'État, le président de la République a précisé que ces statuts leur astreint à un sens élevé d'éthique, d'abnégation et d'honneur. Il a insisté sur l'observance stricte de quatre principes directeurs essentiels devant conduire l'action de chaque membre du gouvernement. La solidarité gouvernementale, qui veut que chaque membre assume chaque décision du gouvernement et en soit tenu solidaire. Le secret des délibérations, qui proscrit toute divulgation des délibérations du Conseil des ministres. La subordination hiérarchique, qui oblige chacun à se référer aux instructions hiérarchiques qu'il reçoit du Premier ministre ou du chef de l'État. Car le gouvernement constitue un corps institutionnel à disposition verticale avec une hiérarchisation et une préséance. La collégialité, qui renvoie à un esprit d'équipe et de collaboration, interdisant aux membres d'engager individuellement le gouvernement sans se référer à la hiérarchie et en dehors des décisions régulièrement délibérées en Conseil des ministres. De manière plus large, elle implique aussi l'esprit de collaboration institutionnelle afin de primer à l'action gouvernementale une inclusivité. Elle doit s'étendre aux institutions, notamment le service de la présidence de la République, du Parlement et du pouvoir judiciaire. Le Premier ministre a été encouragé à favoriser la cohésion dans l'action et à faciliter une meilleure impulsion présidentielle de l'action gouvernementale. Au-delà de ces principes cardinaux, qui expriment aussi des valeurs républicaines, le président de la République a souligné que des efforts doivent être déployés par chacun afin de contribuer à l'affermissement de la cohésion nationale, notamment par le respect d'un équilibre géographique optimal au sein des cabinets ministériels, ainsi qu'à la promotion des candidatures des femmes et des jeunes, sans oublier une parfaite collaboration avec les administrations respectives des différents ministères. Le président de la République a conclu sa communication en précisant
que tout ceci a pour objectif ultime de parvenir à l'efficacité de chacun dans le rendement professionnel, l'assiduité et la célérité dans les traitements des dossiers, l'activisme dans les travaux des commissions pour les réformes envisagées, avec évaluation permanente par le Premier ministre pour la requalification dans le cadre du devoir républicain de redevabilité par la soumission au contrôle tant administratif que judiciaire. 2. Présentation de membres du gouvernement. Avant de faire la présentation de membres du gouvernement, le Premier ministre chef du gouvernement a remercié le Président de la République chef de l'État d'avoir tout d'abord renouvelé sa confiance en lui confiant une nouvelle fois la direction et la coordination du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il a par la même occasion réaffirmé son engagement à continuer à lui rester fidèle et loyal et à participer activement à la matérialisation de sa vision pour le bénéfice et le bien-être de nos populations. Le Premier ministre a rassuré que tous les progrès accomplis jusqu'ici, grâce au leadership du Président de la République, doivent se poursuivre et s'intensifier jusqu'à l'atteinte de tous les objectifs. Revenant à la présentation, il a indiqué que les remaniements de ce gouvernement a vu 46 membres être maintenus, dont 10 ont été permutés, tandis que 6 d'entre eux sont sortis et 12 nouveaux membres ont fait leur entrée. Le gouvernement compte 16 femmes, soit des de plus que les précédents. Aux membres du gouvernement reconduits, le Premier ministre chef du gouvernement a adressé tous ses encouragements et a appelé à plus d'abnégation et d'engagement dans l'exercice de leurs fonctions tout en les remerciant de chaque action accomplie jusqu'ici. À ceux qui intègrent l'équipe gouvernementale, il a tenu à leur présenter toutes ses vives félicitations, tout en leur demandant de bien vouloir s'imprégner profondément du programme d'action du gouvernement. Je les engage surtout à plus de cohésion, de solidarité et de responsabilité gouvernementale pour la réussite du premier mandat de Son Excellence Monsieur le Président de la République, a-t-il déclaré après les avoir présentés un par un au Président de la République. Le Premier ministre a aussi tenu à saluer les dévouements. J'annonce qu'un séminaire gouvernemental sera organisé dans le prochain jour. Il vise à renforcer la déontologie gouvernementale, mais aussi et surtout à définir les nouveaux rôles dans les cadres de l'unité de commandement. C'est dans l'unité, la cohésion, la responsabilité et la discipline que résident nos succès. Fin de citation. Au chapitre de points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire, qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires à l'est de la République démocratique du Congo. Durant la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population est resté dominé par les réactions et commentaires sur l'interview accordée au magazine britannique The Times par le président de la République, les réactions et commentaires de l'opinion globalement positifs après la publication de la mouture du gouvernement Samalou Kondé II. Dans les volets sécuritaires, le vice-premier ministre est aussi revenu sur la situation dans certaines provinces, notamment le Kwango, l'Ituri et le Sud Kivu, avec quelques faits saillants sur le plan politique. En complément au rapport du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a indiqué que la situation sécuritaire à l'est du pays est caractérisée par la poursuite des attaques des RDF dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, la recrudescence de l'activisme des terroristes ADF-MTM dans les territoires de Beni, Irumu et Mambasa, l'intensification des affrontements intercommunautaires dans les territoires de Djougou et Mahagi en Ituri. À l'ouest, la situation reste marquée par les conséquences du conflit intercommunautaire dans l'espace ex-Grand Bandundu,
particulièrement à Kwamut. En outre, des efforts fournis consécutivement au plan de redéploiement de la force régionale de l'EAC adopté le 9 février 2023, les différentes forces de l'EAC prennent progressivement position dans les différents lieux indiqués par les 10 plans. Ici est de souligner cependant que la prise de position de force de l'EAC bute aux résistances de la part du RDF M23. À ces propos, justement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a signalé que consécutivement aux affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes M23-RDF, 3 militaires de l'armée rwandaise ont été neutralisés, dont le colonel Jacques Bitaba, commandant RDF dans le Rutshuru centre. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait part au Conseil du bilan des patrouilles menées du 25 au 29 mars courant par les forces conjointes FARDC et UPDF contre les terroristes ADF-MTM au confluent des rivières Lucilubé et Nzelubé, secteur de Rwenzori. Il s'agit de la neutralisation de 25 terroristes, dont 3 de leurs principaux leaders, à savoir Issa Seka de nationalité ougandaise, Abou Yassine de nationalité burundaise et Kichotara de nationalité kényane. La récupération de quelques armes et une importante quantité de munitions, ainsi qu'une dizaine de Corans. Durant ces affrontements, un militaire de l'armée ougandaise a été tué aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Au sujet de la situation sanitaire, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a centré son intervention autour de quelques points, notamment la situation du déploiement de la couverture santé universelle. À ces propos, il a rassuré que l'ordonnance loi numéro 23/066 du 3 mars 2023, modifiant et complétant la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018, a été transmise au Parlement pour ratification. Pour ce qui est de la gratuité des accouchements et des soins aux nouveau-nés, des discussions sont en cours avec le ministère des Finances en vue de son financement et d'une mise en place rapide. Toutefois, le programme de développement des systèmes de santé PDSS, appuyé par la Banque mondiale, a déjà commandé des kits d'accouchement afin d'équiper 2190 formations sanitaires à travers le pays pour une valeur estimée à 20 millions de dollars américains. En dernier lieu, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a passé en revue la situation épidémiologique du pays, notamment celle du choléra, de la COVID-19 et du monkeypox. Celle-ci reste globalement stable. Évolution de la situation récente sur le marché des changes ainsi que de biens et services. Invité à prendre la parole, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point de la conjoncture économique du pays. Il en ressort que le cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo reste stable, en dépit de contre-coups induits par les effets du conflit russo-ukrainien. Quoique l'inflation importée influe sur les produits alimentaires et non alcoolisés, l'économie nationale reste résiliente. Pour ancrer les anticipations sur la volatilité de l'inflation et du taux d'échange, le Comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a procédé au resserrement du taux directeur de 8,25% à 9%. Le taux de croissance économique est estimé à 8% en 2023 sous l'impulsion du secteur minier. Dans un contexte où l'économie mondiale est caractérisée par l'accélération de l'inflation, le ralentissement de la croissance pour la plupart des économies avancées, les durcissements des politiques monétaires avec des restrictions sur les conditions d'endettement, ainsi que la persistance du conflit armé en Ukraine, les autorités habilitées ont au niveau national veillé à la poursuite de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires. Le respect du pacte de stabilité a été maintenu, les fourchettes d'appel d'offres de bons BCC neutralisant la liquidité excédentaire de banques ont été élargies et les interventions de la Banque centrale sur les marchés d'échange ont permis de lisser les fluctuations du taux d'échange. Le Conseil a pris acte de cette note d'information.
Dernier point d'information. Projet de réforme de la collecte des recettes de contravention routière. Le ministre des Finances a présenté au Conseil les projets de réforme de la collecte de contravention routière en République démocratique du Congo. Partant d'un état des lieux rigoureux, il a été constaté que les systèmes de recouvrement actuels de ces contraventions sont peu performants, insuffisamment dissuasifs, peu contraignants et confrontés à des difficultés structurelles dont la perception manuelle et l'absence d'un mécanisme automatique des contrôles. Le ministre des Finances a rassuré que la réforme de la collecte de contraventions routières initiée s'appuiera sur deux réformes en cours. La réforme de l'immatriculation de véhicules qui arrive à sa phase finale et celle de l'introduction des paiements des recettes par les moyens digitaux, téléphones, cartes bancaires, banques en ligne, distributeurs automatiques de monnaie, etc. Il a annoncé qu'un appel d'offres sera lancé pour un partenariat public-privé compte tenu de l'innovation technologique à introduire. Le ministre des Finances a conclu son propos en précisant que cette réforme permettra d'accroître les recettes du Trésor public et de réduire la délinquance et les accidents sur les routes à travers le pays. Les niveaux des recettes attendus à la suite de l'implémentation de celle-ci se chiffreraient en centaines de millions de dollars américains dès la première année. Ces niveaux devraient s'accroître chaque année. Le Conseil a pris acte de ce projet. Dernier point inscrit au Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 91e réunion tenue le vendredi 17 mars 2023. Priorité au peuple. Le président de la République a terminé la réunion du Conseil de ministres de ce jour en exhortant le membre du gouvernement à rester concentré sur les attentes de la population qui tournent principalement autour du retour de la paix, de la sécurité et de la défense du territoire, l'amélioration du pouvoir d'achat ainsi que des conditions socio-économiques de la population, la réussite du programme de développement local de 145 territoires, la santé, l'éducation, ainsi que l'encadrement de la jeunesse à travers le sport. C'est sur ces mots que le président de la République a conclu le Conseil de ministres de ce jour. Commencée à 12h50, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h18. Je vous remercie.